Connectez-vous au maximum. Connectez-vous. Partagez. Connectez-vous au maximum. Si vous m'entendez, envoyez-moi les cœurs là. Si vous m'entendez, envoyez des cœurs. Faites-moi signe. Si vous m'entendez, envoyez-moi des cœurs. Faites-moi signe. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci à tout le monde. Bonjour Alice, ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour Alice, Alice, ange, ange. Partagez le direct. Faut partager. On va parler de Angèle Andela. Donc, il faut partager le direct en fait. Et il faut taguer Angèle Andela, elle-même vient ici. Il faut taguer Angèle Andela, elle vient ici. Merci pour les cœurs. Merci, merci pour les cœurs, tontine. Partagez le direct. Bon week-end, bon début de week-end à tout un chacun d'entre vous. Dans la paix du Christ, bien sûr. Bonjour, bonjour, Cassie. Bonjour, bon week-end. Partagez le direct. Ou bien, on partage. Ça monte. Partagez. On va parler d'Angèle Andela. Cette dame qui... il faut taguer Angèle Andela. Il faut la faire venir ici. Je l'appelle. Voilà. Bon. En tout cas. Vous savez, moi, je suis enrhumé. Hein? Donc, si je clash là maintenant, il ne faut pas trop vous moquer de moi. Moi, je suis enrhumé. Bon, aujourd'hui là, on va parler d'une certaine dame au nom d'Angèle Andela. Angèle Andela que vous connaissez tous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bon début de week-end à tout le monde. On va parler d'une certaine Angèle Andela que tout le monde connaît très bien. Et je crois que j'avais déjà eu affaire à un direct concernant cette dame là. Et quand j'ai fait le direct concernant cette femme, je suis même allé sur sa page, je lui ai envoyé le message. Elle a pourtant lu, elle n'a pas répondu. Ben, ce qu'elle juge mieux à faire, c'est qu'elle m'envoie des liens que moi je n'ai rien à foutre. Hein. Mais j'ai voulu parler avec elle pour la ramener à la raison. Bonjour, Lamo Bolingo. Ben, et puis après ça, beaucoup de personnes m'ont demandé, Aristide, mais par rapport à la femme qui a les problèmes par rapport à ses enfants-là, c'est à quel niveau? J'ai dit non, j'ai pas de ces nouvelles. En fait, je crois que Angèle Andela a plus de 40 ans, hein. Voire peut-être plus de 45 ans, je sais pas. Je crois que c'est une femme mature. Bonjour, Tantine. Bonjour à tout le monde. Bon début de week-end. Je crois que cette femme-là, elle a plus de 45 ans. En fait, elle a plus de 40 ans. Et puis, on dit souvent que c'est comme tu graisses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Comme tu graisses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Il y a des gens qui prennent Facebook à témoin. Il y a des gens qui se sont liés à Facebook. Il y a des gens qui se sont embrassés à Facebook.
Il y a des gens que toute leur vie est basée sur Facebook. C'est-à-dire tout ce que, qui sont obsédés par Facebook, en fait, comme celle-là. Je crois que quand cette femme-là partait en Europe, à l'époque, quand elle faisait la procédure pour aller en Europe, c'est pas Facebook qui l'a envoyée en Europe. Hein. Et puis personne n'était au courant. Et puis après ça, quand elle a connu, c'est pas, soit son mari, soit ses maris, personne n'était au courant. Au début, c'était une histoire d'amour. Parce qu'avant qu'un couple se sépare, là, tout compte fait, il y a eu une histoire d'amour. Il y a eu une histoire de sincérité. Il y a eu une histoire de sans caleçon. Et il ne peut pas avoir un problème pour rien. Il ne peut pas avoir un problème pour rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas être assis comme ça là. Tu te retrouves mêlé dans un problème que toi-même tu n'as pas participé. Ce qui est sûr, c'est que tu es passé quelque part. Donc si on t'indexe, si c'est que tu es concerné dans ce problème, ça veut dire que tu fais partie de ce problème-là. On ne peut plus respirer en fait. Le problème, ce n'est pas qu'on ne peut pas respirer. Le problème, c'est que ça fait mal parce que. C'est une femme qui se lance dans une dépression. La première fois que j'ai fait la vidéo concernant cette femme, je vous ai dit, elle a atteint un niveau que non seulement elle est traumatisée, elle est déjà en train de déprimer en fait. Et je crois qu'il y avait plusieurs manières. Si elle-même, elle aurait été consciente, il y a plusieurs manières pour qu'on puisse au moins la récupérer encore. Si elle-même, elle est volontaire. Si elle-même, elle est volontaire. Mais je me rends compte que c'est l'esprit de la Starmania qui l'attire plus. En fait, son problème, c'est que Star de Facebook ou rien. Son problème, c'est que Star de Facebook ou rien. On n'est même pas encore arrivé en bain. Nous sommes encore au niveau même d'abord de. On n'est même pas encore arrivé dans le cadre de bain. Donc, son problème, c'est que Star de Facebook ou rien. Tu ne peux pas avoir un problème sérieux et c'est les gens qui viendront porter ton problème sur le dos. Si c'est que toi-même tu n'encourages pas les gens et que tu ne dis même pas déjà la vérité. Bon. Tu ne peux pas faire que tu as des problèmes, tu es en train de venir pleurer devant les gens. Oh mes enfants. Tu dis bien que la cause du fait qu'on a retiré tes enfants, c'est parce que tu dansais nu sur Facebook, c'est parce que tu fais ceci. Mais tu viens toi-même dire sur Facebook que mieux tu meurs, mais tu ne quitterais jamais Facebook. Je sais pas si tu t'entends parler là. Tu dis que mieux toi tu meurs là que de quitter Facebook. Et la question que je me pose c'est que quand toi-même tu regardes souvent tes propres vidéos là, tu ressembles à quoi toi-même? C'est-à-dire quand tu arrives même parfois là que tu t'assois comme ça là, tu regardes même toi-même tes propres vidéos, tu n'as même pas une place quelque part. Parce que même pour être star là, ça ressemble, ça se ressemble. On ne peut pas te supplier pour ton propre problème. L'autre jour, tu es parti pour dormir, tu es parti dormir là-bas au rail, que tu, soit tu vas mourir, mais tu allais mourir et la vie allait continuer normalement dans le calme. Il y a des personnes plus importantes que toi qui sont morts. Les Manu Dibango, les Alain Mouvogué, tous ils sont morts, les Mac, ils sont morts, on ne parle plus d'eux. Tu allais mourir gratuitement et ça n'allait rien faire à personne. Parce que si les questions que toi-même tu n'es pas consciente, et moi, je te comprends. Moi, j'arrive à te comprendre. Ce n'est pas un problème de conscience. C'est que tu es déprimé, en fait. Tu as atteint un stade qu'on doit même t'interner. Non, tu ne devais même plus rester comme tu es. On doit t'interner. Parce que tu as un problème là-dedans. Maintenant, ce que tu trouves à faire, c'est que tu t'accroches sur Flore de Lille. Flore de Lille. Quand je vois ça, je ne sais pas. Oh, Flore de Lille, le fruit de m'aider. Flore de Lille est médecin. Elle est juriste, elle est procureur, elle est quoi? Flore de Lille, tu t'accouches à elle par rapport à quoi? Même si on fait un litige là maintenant, là, le litige là ne peut, le litige va te servir d'abord. On va faire le litige sous quelle base? Par rapport à quoi? C'est-à-dire, vous voulez seulement imiter des gens. Quand on parle de litige, toi aussi tu veux faire un litige en fait. Donc voilà, tu te lèves comme ça, tu veux aussi aller faire un litige. Mais tu as un problème de tes enfants. Tu sors les phases aux gens chaque jour, on ne peut pas respirer. Tu montes, tu descends. Mais les gens ont pitié de toi. Mais toi-même, tu n'aides pas les gens à t'aider.
On quitte dans le cadre là. On se retrouve dans le cadre que tu es parti, tu es arrivé en bain. Arrivé dans l'eau en bain. Parce que quand tu es arrivé en bain, ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas ton histoire. Mais tout compte fait, c'est que chacun a son histoire en bain. Chacun a une histoire des papiers en bain. Tout le monde, les histoires ne sont pas pareilles. De la manière que telle personne a eu des papiers, ce n'est pas de la même manière que l'autre personne a eu des papiers. Donc chacun a son histoire en bain. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir les papiers? Voilà. Et puis quand vous consommez, quand vous arrivez en Europe là, il y a une façon de consommer la vie. Et ça dépend aussi de celui qui t'a accueilli dans le départ. Ça dépend aussi de celui qui t'entoure, des gens qui t'entourent. Parce que la méchanceté, elle est partout. Tu peux être une femme au foyer avec ton mari qui est blanc. Et puis après, à un moment donné, d'autres filles peuvent être jalouses de toi sans te montrer ça. Elles commencent à tourner autour de toi et te montrer que non, c'est les gars noirs qui sont bien. Il faut aller expérimenter. Tu vas déposer peut-être ton blanc. Tu vas aller vivre une autre expérience. Ou bien ils vont t'entraîner dans beaucoup d'histoires. En fait, c'est ça. C'est ça l'histoire, en fait. Maintenant, la vie en Europe est aussi bien. Ça aussi, c'est loin, hein, et ça rattrape, ça prend. Mais si c'est que toi, tu es une mère d'enfant qui est indigne et irresponsable, tel que démontre toi-même tes propres vidéos, on va seulement arracher tes enfants. On va arracher tes enfants. Et là maintenant, du camion, pardon, il ne faut pas, faut pas venir me déranger dans mon direct, pardon. Tu me dis qu'il ne faut pas trop parler, j'ai donné combien. Est-ce que cette femme n'a pas un problème d'argent? Elle a d'abord un problème, elle a d'abord besoin d'un soutien moral. Elle n'a pas, pas besoin d'un problème d'argent. Elle-même ne manque pas d'argent. Et je crois que la procédure par rapport à ses enfants, ce n'est pas de l'argent qu'il faut. C'est toute une procédure. Mais si elle-même, elle refuse d'abord de se revoir, parce que malgré la situation dans laquelle elle se retrouve, elle ne cesse pas de faire les vidéos, ce qui fait partie des reproches, je ne sais pas quoi, de ce qu'on la reproche. Si jusque-là, elle continue encore à faire des choses contre nature sur sa page, et que c'est ça qui est peut-être à l'origine de ce qu'elle a fait, tu veux qu'on fasse comment? Mais elle devient plutôt emmerdante. Je ne suis même pas en train de prendre son parti. Je suis venu lui dire ici maintenant que c'est elle qui est inconsciente. C'est elle qui est une femme inconsciente. Je ne suis même pas en train de prendre son parti pris. Elle ne fait qu'embrouiller les gens partout. Elle parle de direct en direct. Elle-même d'abord refuse d'abord de se mettre en cause. Comment est-ce qu'on va, on va aider une personne qui refuse de prendre conscience? Comment est-ce qu'on va aider une personne qui refuse de se mettre en cause? Mais cette femme n'a pas un problème d'argent. Elle a un problème psychologique. Elle est déjà à terre ici. Et elle a besoin que les gens se rapprochent d'elle. Elle a besoin que les gens se rapprochent vers elle pour essayer un peu de la remonter. Elle a même besoin d'être internée. Déjà qu'elle habite, elle habite seule, elle vit seule. Elle vit seule et puis, je ne sais pas, dans son entourage, tu vois. Et donc, le problème qu'elle traverse là maintenant, ce n'est pas un problème d'un soutien financier, non. C'est un soutien moral. Parce que apparemment, même certaines choses, quand elle fait, c'est comme si elle ne connaît même pas qu'elle est en train de faire ça. C'est comme si elle ne connaît pas qu'elle est en train de faire. Parce que quand je vois certaines de ses vidéos, certaines de ses sorties, par rapport à la situation qu'elle traverse, je me rends compte qu'elle ne fait pas ça expressément, en fait. C'est qu'elle ne connaît même pas ce qu'elle est en train de faire. Moi, je ne peux pas faire. À mon vieux âge, j'ai les problèmes de mes enfants. On a arraché mes enfants. C'est moi qui vis la situation. Et puis, je vais aller m'asseoir sur Facebook pour dire que Flo de Lille doit m'aider. Attends, ça s'entend parler là? C'est Flo de Lille qui faisait l'amour avec ton mari pour faire des enfants? C'est Flo de Lille qui a accouché, qui a porté ses enfants là-dedans. Une maman qui a porté des enfants 9 mois. 9 mois dans le ventre. Le problème qui se pose, c'est que cette femme, même d'abord, tout ce qu'elle veut là, même si on parle d'argent ou de logement, c'est qu'il faut d'abord qu'on essaie d'abord de la conscientiser. On doit d'abord l'interner pour qu'elle retrouve encore bien bien ses sens. Parce qu'apparemment, c'est une femme qui n'a pas ses sens maintenant là, parce qu'elle a beaucoup de problèmes en fait. Donc avant d'arriver même au niveau du logement et tout ça, ou bien de l'argent, il faut d'abord qu'on l'interne. Vous ne voyez pas qu'il y a des échappatoires dans sa tête là?
Donc, c'est ça le problème là maintenant. Parce qu'une personne consciente, une personne consciente ne peut pas multiplier les bêtises. Elle est de direct en direct. On ne sait même pas ce qu'elle est en train de chercher. Bon, avant d'arriver là-bas aussi, c'est que quand vous arrivez en Europe, vous qui êtes en Europe là-bas, vous qui êtes en Europe là-bas, quand vous arrivez en Europe, vous devez comprendre que ce n'est pas votre pays. Hein. C'est pas parce que tu as un passeport Bordeaux qui signifie que tu es français. Tu es peut-être français par écrit, mais il y a la mentalité. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous croyez souvent que les pays où vous habitez là-bas en Europe sont comme le Cameroun, qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. La loi n'existe pas. Tu peux aller négocier, monnayer. Non. Quand vous vivez en Europe, il faut aussi bien maîtriser les rouages de l'Europe. Quand vous partez, quand vous décidez d'aller vivre en Europe, là, vous devez aussi maîtriser les rouages, c'est-à-dire les lois de l'Europe. Alors, je vous ai toujours dit ici que Facebook n'est pas une justice. Facebook empile les choses qu'on peut arranger. Hein. Facebook parfois garde des choses qu'on pouvait arranger. Tu ne peux pas faire que, comme je suis assis comme ça là, je me lève le matin, l'enfant a cassé le plat. Je prends le plat, je viens montrer que voilà l'enfant qui a cassé le plat. La mamie se brûle au feu. Je prends la mamie, je viens montrer. Mais tout ça, ça va me rattraper plus tard parce que c'est moi-même qui est venu montrer le plat qui est cassé et la mamie qui est brûlée, ça va me rattraper. Bon, en venant on fait ça sur Facebook, je m'attends à quoi? En venant donc sur Facebook, montrer tout ça, parler de ma vie privée, parler de tout le monde, c'est pourquoi? Parce que je vais rappeler une chose aux gens, on se prend beaucoup la tête. On se prend beaucoup la tête quand tu fais une vidéo. Tu as face à toi 50, 100 000 personnes. Tu regardes ta vidéo, tu as peut-être 20 000 vues dans une vidéo. Tu te dis que tu es arrivé, tu regardes les commentaires, tu te dis que non, ça c'est du mensonge. Ça fait tomber les gens dans le piège. Ces petits commentaires-là, ces petits commentaires que les gens écrivent là, ça endort certaines personnes. Ça endort certaines personnes, ils s'emportent avec ça, ils se disent qu'ils sont arrivés. Mais c'est quand tu as un vrai problème que tu te rends compte que tu es seul, toi seul, contre seul, depuis. C'est quand tu fais, on appelle ça comment là, quand tu fais une vidéo, les vues que tu as en face de toi, les gens qui se regardent, tu te prends la tête avec ça. Mais c'est quand tu as un problème que tu te rends compte que tu es seul contre seul. Vous comprenez un peu? Donc il faut qu'on essaie un peu de dire beaucoup de vérités. Et certaines vérités en fait. Angèle Andela est arrivée à l'étape de la dépression. Ça veut dire que même si on lui donne 1 milliard là, elle ne saura même pas que c'est de l'argent. Elle ne saura quoi faire avec ça parce que son esprit même d'abord n'est pas posé. Son moral n'est pas posé. Donc ce n'est pas ça l'urgence là maintenant. L'urgence là maintenant, c'est que ceux qui sont proches d'elle, ceux qui se rapprochent d'elle là, qu'ils essaient un peu d'éveiller parce que si déjà elle a eu le cœur d'aller à la gare, ça veut dire qu'elle peut aussi même elle-même se donner la mort un jour. Hein. Cette femme a atteint un niveau qu'elle ne se contrôle plus. Elle peut se donner elle-même la mort dans sa propre maison, là où elle dort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le problème qu'on a là maintenant, là, ce n'est pas un problème qu'on doit rester là en train de dire que... Oui, Vanessa, tu as raison parce que j'ai constaté que Andrea, là, c'est comme si elle fait ça expressément. Elle cible les gens. Mais la question que je te pose, c'est que est-ce que Flo de Lille est magistrat? Flo de Lille travaille à l'assistance sociale. Flo de Lille joue quel rôle dans ta vie que tout ce qu'on puisse te dire, c'est que tu veux seulement que c'est Flo de Lille qui t'aide. Elle t'aide que sa femme d'abord est bien. Tu es sûr que chez elle, ça va très bien. Tu as déjà vu Flo de Lille venir exposer elle-même son vrai problème sur la toile. C'est parce que je me rends compte que Facebook pour toi, c'est comme une drogue. Tu es obsédé parce que même le fait que tu t'accroches sur Flo de Lille parce que tu veux juste qu'on dise que non. Attends, mais tu vas. Supposons même que oui, Flo de Lille, c'est elle qui t'a fait ce qui t'arrive là aujourd'hui.
Si déjà toi-même tu ne prends pas conscience, c'est Fleur de lui qui t'a fait ce qui t'arrive là aujourd'hui, je ne pense pas. Et le con, c'est que ce qui fait mal, parce que moi je parle de toi aujourd'hui parce que tu es une sœur. Et je me dis toujours que c'est toute une tribu qui est exposée. C'est la honte de toute une tribu, toute une ethnie, parce que je crois que si on était aussi au moins solidaires, on allait trouver une solution depuis. Non seulement derrière toi-même, tu ne laisses pas le temps aux gens de t'aider. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Tu ne donnes pas l'opportunité aux gens de t'aider. Ce que tu préfères faire, et c'est ce que tu aimes beaucoup, c'est que tu passes des vidéos en vidéo, tu es en train de crier, tu te livres à un spectacle. Mais ce qui est marrant, c'est que après ce spectacle-là, c'est toi qui peux appeler toi seul. Après ce spectacle-là, tu n'as aucune solution après. Après ce spectacle-là, c'est que moi, ça me fait mal de te voir sur la toile. Une fille bêtie comme toi. Et une fille qui a même eu la possibilité, parce que quand j'essaie un peu d'écouter ton histoire, tu as eu beaucoup de possibilités. Mais tu n'as pas pu, tu n'as pas su comment exploiter ça. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand moi je te regarde bien, c'est comme si tu veux qu'on te laisse et on va te laisser. Parce que moi, je vais faire la campagne pour qu'on te laisse même tomber comme ça là. Parce que tu ne veux même pas que les gens puissent t'aider. Ce que tu aimes bien, c'est que on t'invite de direct en direct. Tu es devenu quoi? Tu es devenu Akeli. Tu aimes bien, tu tournes dans les petites directs là, tu pars là-bas, mais la solution n'est jamais arrivée un jour. Chacun a ses problèmes, hein? Tout le monde a ses problèmes. Je dis, même moi qui te parle là, j'ai ma part de problème qui est là. Tout le monde a des problèmes. Mais il ne faut pas souvent faire que vous voulez faire que vos problèmes. Parce que c'est vous qui venez avec vos problèmes sur la toile. Personne ne vous appelle. Et puis quand les gens veulent même vous venir au secours, le secours n'est pas toujours le lien, le litige que vous allez mettre là. C'est pas ça le litige. Je vous ai dit, pour ceux qui sont souvent face à la caméra, si c'est que tu t'emportes de ces commentaires-là, que Aristide, machin, tu t'emportes de ces vues-là. Mais c'est là où tu vas tomber. C'est là où quand tu vas avoir un vrai problème, que tu vas constater que tu es seul. Que tu es seul contre seul. Oui? C'est quand tu vas être face à un problème que tu vas comprendre que tu es seul contre seul. Donc, si c'est que tu te contentes des petites vues que tu vas voir là, on va faire les commentaires vraiment Aristide, oh machin, tu commences à te prendre la tête, tu commences à répondre mal aux gens, tu commences à t'agiter, c'est que tu es mort. C'est le jour que tu vas avoir le problème, que tu vas constater que tu es seul. Tu n'avais personne. Ça dépend de comment est-ce que chacun vient exploiter la toile. Donc, ce que moi je vais te dire aujourd'hui, Angela, c'est que il faut essayer de te revoir. Tu es en train de souiller tout un peuple. Tu es en train de souiller tout un peuple et tu prends la peine de bien faire ça. Là, tu fais ça expressément. Ce que tu es en train de faire là, tu fais ça expressément et tu prends de ton temps pour souiller tout un peuple. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce que tu es en train de vouloir faire là. Il faut arrêter de suivre comme ça. Chacun a ses problèmes. Tu n'es pas la seule femme qui est en bain. Tu n'es pas la seule femme qui a des problèmes. Mais tu sais honnêtement que quand tu vis avec des enfants en Europe, il y a certains critères que tu dois remplir automatiquement. Et que si c'est que tu ne remplis pas ces critères-là, tu vas seulement pleurer les pleurs du mollet. Ça, on est d'accord. On est d'accord que quand tu habites en Europe, là, quand tu vis en Europe, si c'est que tu ne remplis pas certains critères, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Chacun a des problèmes. Tu n'es pas la seule qui a un problème. Yéli, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça là. Comme ça. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis venu. Je ne suis même pas venu aujourd'hui pour qu'on t'aide. Hein. Je ne suis même pas venu te soutenir. Hein. Je suis venu te faire le chantage. La vidéo que moi, j'ai fait aujourd'hui, c'est pour te faire le chantage. Parce que apparemment, je me rends compte que tu prends bien de ton temps pour vouloir souiller tout un peuple. Parce que tu crois que c'est toi seul qui as des problèmes. Tout le monde a des problèmes en Europe. Tu as tout ce qu'il faut en Europe d'ailleurs. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as le kaolo, tu as tout, tu as tout, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu veux vivre
Tu veux vivre comme quelqu'un qui n'a rien. C'est comme si tu fais ça expressément, en fait. Une femme qui a des problèmes, si tu avais vraiment un problème sérieux, c'est que tu ne fais pas le direct depuis dès lors que tu as vraiment vu que on avait petits enfants, ça devait te préoccuper au point où tu avais même d'abord oublié même tes directs de la télé là. Tu avais oublié ça, sorti même d'abord de là. Une femme qui a des problèmes devait d'abord laisser les histoires là, devenir s'exhiber et tout ça. Il a posé la question que toi-même, quand tu regardes tes vidéos là, que tu danses souvent là, dis-moi à quoi tu ressens. Toi-même, quand tu t'assois souvent comme ça là, tu essaies un peu de regarder, de voir tes vidéos là, tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Angèle Andela, quand toi-même tu t'assois, après avoir fait le direct, tu t'assois encore toi-même, tu regardes tes directs là, tu ne vois pas que ça ne donne pas. Ça ne te fait pas honte toi-même. Tu n'as pas honte dans ton fond intérieur, dans ce que tu fais là. Non, mais il faut nous dire la vérité. Ou bien tu prends souvent ce qui est non séché. Le départ. Ça peut faire quoi que tu mélanges même ça avec le départ. Hein. Peut-être que tu tires le départ. Parce qu'une personne normale ne peut pas faire comme ça. Non, mais honnêtement, c'est comme si c'est que. J'ai même eu un penchant dans ça que est-ce que la femme là ne prend pas le départ? Bien sûr. Parce qu'une personne qui a tous ses sens ne peut pas faire comme ça. Personne qui a ses sens ne peut pas se comporter comme la femme là. C'est comme si la femme là prend le départ. Il faut bien l'observer. Vous allez voir quelque part, c'est comme si elle prend le départ. Il vous dit la vérité. J'ai pris la peine, j'ai écrit à cette dame. Bon, écrire. C'était pour me rapprocher vers elle, qu'elle aussi me donne sa version. Parce que déjà, même quelque part, c'est comme si elle ne m'aime pas déjà vraiment. Parce que c'est bien beau de venir pleurnicher que wow, on a pris mes enfants, oui, on a fait ceci, mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait au départ? Déjà, dans ta petite vie, j'ai suivi une fois, tu disais que tu as aussi 7 enfants avec 7 pères différents. Bravo. C'est toi qui connais. C'est toi qui es bien même. J'ai suivi une histoire où tu étais en train de dire que soit tu as 7 enfants avec 7 pères différents. Je crois que c'est une histoire que tu as parlé. C'est toi qui connais. Et comme on vous a montré un nouveau système sur Facebook, c'est que quand tu as un problème, pap, tu crées le litige. C'est ça que ça dit, ça vous plaît beaucoup. Donc vous êtes seulement là quand vous venez faire les directs là. Vous souhaitez que vous ayez un problème et puis après, pap, vous allez mettre le litige. Je vous dis encore. Même si tu fais un litige et que tu réussis à récolter 2000 euros là, ce n'est pas ça qui signifie l'amour. Hein. Ce n'est pas ça. Facebook n'a aucune garantie, aucune sécurité sur Facebook là. Je dis encore, ne te prends pas la tête que parce que comme tu as peut-être 10 000, 20 000 abonnés, tu es avec les gens, c'est faux. C'est quand tu vas avoir un problème que tu vas te rendre compte que tu n'avais personne avec toi. Personne. Il faut vivre ces expériences pour comprendre. Personne avec toi. Oui, c'est quand tu vas avoir un problème, vous prenez la tête. Toi-même, tu n'es pas d'abord sérieuse dans ce que tu dis. Tu ne dis même pas d'abord la vérité. Je peux dire comment là. Tu n'essaies pas d'éclaircir et tu ne prends pas conscience. Parce que le truc, c'est que tu ne prends pas conscience. Parce que, je dis, quand tu as un vrai problème comme celui-là, parce que si c'est que tu étais vraiment sérieuse depuis là, tu allais être concentré, laisser les gens te venir en aide. Mais je me rends compte que c'est comme si les gens viennent même vers toi pour te venir en aide. Tu ne veux pas, tu t'accroches sur le fleur de l'île. Vous allez nous dire même ce qu'il y a entre vous. Chaque matin, midi, soir, fleur de l'île, fleur de l'île, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est elle qui t'a amené en Europe. Tu n'as pas honte de ton gros âge. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que toi-même tu as proposé? Toi, Angèle Andela, qu'est-ce que tu as mis sur la table? Comme proposition pour qu'on puisse te venir en aide. Tu viens là, tu commences à embrouiller les gens comme à embrouiller les gens. Tu as vu que Balseru m'a parlé de toi. Ça a parlé, tu es star. Hein? Et c'était un rappel que je voulais faire aux gens. Que les gens qui croient que oh, Balseru croit qu'il peut fuir d'où il est né.
Mais quand Vassero parlait de toi hier, c'est qu'il a parlé de toi en tant qu'un frère, un frère, un frère Betty. Donc il a senti le mal, la douleur qu'un frère peut sentir, peut avoir envers sa soeur. La preuve en est que quand il a dit Betty Bunanga, tu as senti comment le mot est sorti. Il veut renier d'où il sort, mais il est concerné en fait. Donc quand du même Vassero a fait une vidéo par rapport à toi. Parce que mine de rien, il a été touché. Moi qui fais la vidéo aujourd'hui, là, si tu veux, il m'en fiche de toi. C'est par rapport aux enfants que je parle. C'est par rapport aux enfants qui se retrouvent là où peut-être ils ne devaient pas être. Mais sinon, que moi, je ne parle pas. Parce que c'est vrai que toi, là, seulement là. C'est que je me suis même déjà désabonné sur ta page. Parce que rien que quand tu danses là, même non, ça chasse même plutôt les gens. C'est même parce que tu fais là-bas qui est bien. Rien que quand tu danses là, seulement non, ça chasse même déjà les gens. C'est les gens qui sont curieux qui restent sur ta page là. C'est les gens qui sont curieux qui restent encore sur ta page là. Les gens qui sont vraiment curieux là. Sinon que là maintenant, là, on doit faire l'objectif d'un chantage pour que tu puisses changer. Parce que je me dis que le fait que les gens viennent là, les gens viennent t'encourager, bon, chacun est libre. Facebook, c'est pour tout le monde. Chacun est libre d'aller s'abonner chez qui il veut. Chacun aime bien. Oui, on ne refuse pas. Là, je peux pas faire ça. Je n'ai déjà aucun pouvoir, aucun droit de dire aux gens de venir se désabonner à ta page. Non, là, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, je parle de ta personne. Supposons que tu as un problème. On l'accepte comme ça. Mais tu n'aides pas les gens à t'aider. Là, maintenant, je me mets à ta place. Je suppose. Et effectivement, tu as un problème. Mais tu n'aides pas les gens à t'aider, Angel Andela. Sois un peu calme, soit donne le temps aux gens de t'aider. Donne-toi l'opportunité pour que les gens t'aident. Sois posé, sois calme. Sois posé, sois calme. Ce n'est pas le fait de te livrer à un spectacle qui va faire, qui va, ça n'a rien à y. On s'en fiche même. Les Blancs, ils sont contents. Ça fait une personne de moins dans leur pays. Mais va te mettre sur les rails. Le club va te marcher dessus. Et puis on s'en fiche de ça. La vie continue. Tu parles de quoi? Va te placer sur les rails. On va écrire RIP. RIP comme ça là. Et puis certaines personnes vont dire que non, elle était une femme gentille. C'est tout. Et la vie continue. Tu fais ça comme si tu es en train de faire quelqu'un. Hein. Et quand tu fais tes machins, tu pars à la gare. Tu fais comme si tu es en train de faire peur à quelqu'un. C'est ta vie. Va encore. Va toi-même là-bas. Tu vas aller mourir. Parce que tu fais ça là comme si c'était un cinéma. Tu pars, tu te couches là, tu commences à faire les mines et tout ça. Depuis combien de temps on te parle? Depuis combien de temps? Je dis, j'ai fait tout un direct pour toi. Et ce direct-là, c'est parce que j'ai senti mal. Ce direct encore sur ma page. Pour essayer d'appeler les uns et les autres. Parce que ton problème là, maintenant, moi, je l'ai compris très vite. Il est tellement facile. Pas besoin d'être médecin. Tu as un problème psychologique. Donc là où tu es là, c'est qu'on doit t'interner. On doit seulement t'interner. Et je sais, tu sais que tu refuses qu'on t'interne parce que si on te prend et on te met là-bas, ça va seulement approuver que non. Tu ne peux pas garder les enfants. Ça veut dire que tu es conscient, tu es très malin. Tu es bien malin. Parce que je sais que si on t'interne là, ça va encore empirer ton dossier parce qu'on va se rendre compte que tu as l'incapacité de rester avec les enfants. Ah oui. Tu es bien conscient de ce que tu fais. C'est toi qui t'exposes. Tu t'exposes. Et tu es dans tes mêmes vidéos. Ce n'est pas seulement nous qui te regardons. Il y a tes maris, même tes belles familles qui te regardent. Si tu as une page, quelqu'un peut ne pas être abonné à ta page, mais il regarde tes vidéos chaque jour. Bien sûr, chaque jour, il regarde tes vidéos. Donc même ta belle famille même peut venir voir tes propres vidéos. Et c'est comme des preuves. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. C'est-à-dire que Facebook est bon à toi jusqu'à... Comme je vois souvent, les gens disent que Facebook est bon à toi jusqu'à... Tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu veux mourir au champ de bataille chez Facebook. Que ici, là, je ne laisse pas. Je m'approche même. C'est-à-dire que Facebook est bon à toi jusqu'à... C'est-à-dire que tu es là, tu préfères mourir. Tu es toi sur Facebook. Ce qui est sûr, c'est que Facebook, non. Je crois que la prochaine réforme de Facebook va peut-être diminuer certaines choses. J'espère peut-être que la prochaine réforme de Facebook, parce que Facebook est en train de faire une certaine réforme.
J'espère que ça va un peu, ça va améliorer beaucoup de choses. Ou bien c'est sûr que Facebook ne sera plus conçu comme maintenant. Bon, c'est une question que tout le monde se pose. Mais je crois que beaucoup de choses vont changer. Une vieille femme de la vieille école qui se retrouve en train d'être un concert en Europe. En Europe, là, hein, quand tu veux souffrir, non, tu souffres. La souffrance d'abord, pour rien, tu souffres. Donc quand toi-même tu veux souffrir, non, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu as déjà tes enfants. Dieu t'a donné les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Tu as réussi à avoir tes petits-enfants là. Derrière ces enfants, tu peux avoir beaucoup. Rien qu'à cause des enfants là, tu peux te retrouver. Ta vie ne sera pas comme une femme qui a les mêmes enfants que toi au Cameroun. Ta vie est un peu plus. Parce qu'on t'aide. Tu bénéficies de beaucoup de choses. Rien que, il y a des gens en Europe qui veulent ces enfants là. Qui veulent le nombre d'enfants que tu as là. Oui. En Europe là, tu as déjà tes enfants. Tu as le soutien qui est là. Tu te calmes. Tu es né même jour avec Facebook. Tu es né même jour avec Facebook. Je suis même sûr que le gars même qui a créé Facebook est ton petit frère. Tu es là que Facebook est bon à toi jusqu'à. C'est-à-dire que mieux on te casse la dent, on te pèse l'œil, tu ne sors pas sur Facebook. Il dit mieux. C'est ce que tu es en train de montrer là. Et puis après, quand tu vas parler, on te dit que moi. Ah, ta soeur Betty qui pleure là-bas sur Facebook, tu parles fort ici. Ah, moi, faut partir là-bas. Les gens parlent, les Betty parlent aussi. Hein? C'est les petits mots. Partout où tu vas passer, ah, quand il faut laisser donc. On parle des femmes, on parle aussi des femmes Betty. Là, voilà qui fait sa folie là-bas sur Facebook. Toi, moi, aujourd'hui, tu as la chance on parle de ton cas. Il y a des femmes en Afrique qui souffrent, qui sont perdues. Qui veulent seulement qu'on essaie un peu d'exposer leurs problèmes. Elles ont des vrais problèmes comme ça là. Elles pourront seulement bénéficier de quelque chose, juste d'un peu. Ça peut les aider. Il y a des femmes comme ça, il y a des cas, beaucoup de cas en Afrique. Il y a des femmes qui veulent juste, qui ont des situations que elles veulent juste avoir l'opportunité qu'on puisse seulement passer ces messages comme je suis en train de faire là. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Quand tu t'es mis là, quand tu t'es mis là, tu ne vois rien. Est-ce que tu es un enfant? Quand toi-même tu t'es mis là, sur le miroir, tu es un enfant. Mais il faut arrêter ça. Si c'est que tu veux être trop célèbre, ouvre une fois une chaîne de télévision. Ouvre une chaîne de télévision. C'est écœurant en fait. C'est écœurant. Pour certaines personnes, ça ne dit rien parce que une femme qui a accouché, pour certaines personnes, ça ne dit rien. Et les femmes qui vivent en Europe peuvent ressentir ce que signifie qu'on a plus des enfants. Celles qui n'ont pas accouché, mais celles qui n'ont pas encore vécu cette situation-là, ça ne dit absolument rien. Mais c'est les femmes qui connaissent ça là-bas en Europe, là, qu'on t'arrache les enfants là. Elle connaît à quoi ça rime. Ça, c'est un modèle. Parce que vous savez que le Cameroun est fort. Hein? Mais je ne crois pas quand même que c'est un modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a un problème. Mais elle n'aide pas les gens à l'aider, en fait. Ce qui est sûr. Et je comprends qu'à un moment donné, elle a la dépression. Et chaque jour qui passe, moi, j'ai peur. Qu'un matin, comme ça, on se lève, on nous dit que c'est gâté. Parce que la femme, là, même, elle est à tel niveau qu'elle peut se jeter comme ça en route et se gâte une fois. Il vous dit la vérité. Il faut vraiment quelqu'un qui veille sur elle, matin, midi, soir. Parce que cette femme-là, elle peut m'arriver comme ça à la maison. Elle prend le couteau et se gâte elle-même. Elle se gâte. Je vous dis. Elle peut prendre comme ça, elle boit un mauvais liquide là, elle-même, elle se gâte. Donc, c'est ça la tension. Oui, s'il y avait une. Le comble, c'est que si les gens qui sont autour d'elle. M'écoute, peuvent se rapprocher de moi. Il y a des gens qui m'appellent, qui ont des propositions. Arrive-t-il par rapport à la femme là, elle a fini par faire comment par rapport à son problème. Les femmes, il y a des gens qui m'appellent depuis que j'ai fait cette vidéo depuis. Comme tu dis là, on doit même arracher son téléphone. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour.
doit arracher même son téléphone. Ça, c'est aussi une idée. Mais là, puisqu'il n'y a personne à côté d'elle qui peut veiller. Parce que s'il y avait une personne à côté, on peut même faire qu'on prend le téléphone. À une certaine heure, on lui donne l'opportunité, même 45 minutes, 1 heure. On arrache encore, on garde. Ainsi de suite. On essaie un peu de la remonter tout doucement, tout doucement. Bonjour à tout le monde. Oui? Non, c'est pas obligé, hein. Qu'elle ne comprend pas que c'est une obligation. Et c'est le dernier direct que moi, je viens faire par rapport à elle. C'est le dernier direct qu'elle vient faire. Et je ne suis même pas en train de faire un direct parce que je suis en train de supplier qu'on l'aide. Je suis en train de faire un direct pour lui faire même le chantage. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Une vieille femme comme ça, tu veux qu'elle te parle comme on parle au quartier? Tu veux qu'elle te parle comme on parle au quartier? Non, je pas, moi, je ne suis pas. Ma page n'est pas comme ça. Elle te parlait comme on parle au quartier. Tu es une vieille femme. Tu es inconscient. Quand tu partais en Europe, c'est quelqu'un qui est parti avec toi. Tu ne savais pas ce que tu fais là-bas. Quand tu étais en train d'accoucher des enfants, c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Seulement en train de vouloir coller la honte aux gens. Coller la honte aux gens. C'est comme ça qu'on nous insulte. C'est normal qu'on nous insulte, on nous offense chaque jour. On va donc faire comment? Non, mais Elisabeth, quelle reste têtue donc? Quelle demeure têtue? C'est son problème. C'est pour ça que je vous dis que si vraiment cette dame-là avait vraiment ce problème-là, que ce problème-là la tenait vraiment à cœur, elle n'allait pas avoir autant de s'exhiber. Elle n'allait pas avoir même une seule seconde de s'exhiber. Hein? Elle est naïve. Hein? Une femme qui vient allumer la caméra, elle danse sans caleçon, elle est naïve. Quelqu'un en train de faire son bon marché là comme ça en solo, donc elle est naïve. Une femme qui est naïve peut manipuler un téléphone Android. Je ne pense pas. Elle n'est pas naïve. Elle n'est pas naïve. C'est qu'elle a un problème. Et le problème qu'elle a, c'est que elle a un problème psychologique. Elle est en train de déprimer. Il faut juste qu'on l'aide. Mais ce que moi je dis juste, c'est que elle doit aider les gens à l'aider. C'est simple. Elle doit aider les gens à l'aider. Le problème que Angela Andela a aujourd'hui, c'est qu'elle doit aider les gens à l'aider, c'est tout. Sinon, après ça, là, c'est tout qu'on fait, c'est on peut ne pas s'aimer, mais souhaiter la mort à une personne, c'est pas bien. Souhaiter la mort à une personne, c'est pas bien. Aujourd'hui, je suis en train de faire son attaque comme ça, elle ne me donne même pas 5 francs. Je suis en train de faire comme ça son attaque pendant peut-être 1 heure, elle ne me donne même pas 5 francs. C'est parce que elle doit comprendre que c'est parce que j'ai beaucoup d'estime pour elle. Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo pourra toucher une ou deux personnes qui pourront peut-être aller vers elle. Hein? Donc, il faut qu'elle prenne conscience. Même les gens, même ceux qui n'ont pas fait les vidéos, là, ne doivent pas l'encourager, ils doivent même pas accepter qu'elle fasse des vidéos. J'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai envoyé un message. Elle a bien lu mon message. Hein? Bien, elle a ignoré tranquillement, même envoie les liens. Depuis la dernière fois que j'ai fait le direct là, les gens vont m'appeler, Aristide, où en est cette femme avec ses enfants? Hélène, Angèle André doit être internée. Mais maintenant, le problème, c'est que elle a déjà un premier problème, c'est que on a déjà achoué les mounas. On a déjà achoué les enfants. Ça veut dire que si elle part encore là-bas, qu'on l'a internée, le résultat, c'est que elle n'a plus le contrôle de sa tête là. Donc ça va juste appuyer encore le dossier que une femme inconsciente ne peut pas rester à des enfants. C'est-à-dire que ça. Il faut seulement, si c'est qu'on l'interdit là, ça aggrave encore sa situation. C'est une femme inconsciente, elle va faire comment pour garder les enfants. Donc ça va seulement appuyer le dossier. Je ne connais pas le dossier qui est là-bas devant. Anti-stress. Et les gens ont souvent laissé moi aussi dehors. Toi-même, tu es rempli de stress. Tu dis que, mais coucou d'amour, votre anti-stress, quand il parle très vite là, votre anti-stress est là, votre anti-stress est là. Toi-même, tu es rempli de stress. Toi-même, dans ta propre vie, tu as le stress comme ça là. Tu dis que tu viens enlever, votre anti-stress est là. Votre anti-stress. Ça dit, vous employez des termes comme ça. Et vous allez tuer quelqu'un ici un jour.
Votre entrée stress est là. Toi-même, tu es rempli de stress, boumaillé. Mais coucou d'amour, mais coucou. Je dis, vin de Dieu. Facebook là, ça doit même finir une fois. Moi, j'ai toujours dit ça depuis. Hein. Moi, j'ai dit ça depuis que soit Facebook finit, soit on enlève le Cameroun. Donc, quand tu es Camerounais là, tu n'as pas accès. Parce que je ne savais pas que Facebook pouvait atteindre au niveau de, à ce niveau de rendre quelqu'un bête. Ça veut dire que c'est dangereux. Mais bien sûr, c'est sérieux. Marie, tu sais quoi, Marie-Henriette, Angèle Andela actuellement est son propre danger elle-même. Angèle Andela actuellement, elle est son propre danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle avait au moins un soutien, peut-être un copain ou un ami ou des soeurs, une famille autour d'elle, on pouvait la contrôler. Mais cette femme peut se lever un matin, elle-même peut se gâter un matin. Elle peut se lever un matin comme ça, là, elle fait un truc, elle se ôte la vie. Elle-même, elle est son propre danger. Vous pensez, vous croyez quoi? Elle n'est pas en train de faire des blagues. Hein. Cette femme a un sérieux problème. Mais maintenant, c'est que ceux qui sont, en attendant que les uns et les autres vont faire des propositions, vont peut-être faire une quête pour elle, mais ceux qui sont proches de la ville là où elle est, peuvent déjà aller vers elle. Essayez un peu de voir. Essayez un peu de voir. Parce que les gens écoutent partout. Bah, si les gens sont loin, que ceux qui sont à côté essaient un peu déjà de se rapprocher vers elle. Essaie un peu de dialoguer avec elle, prend la température. Comme ça, par la suite, ce qu'il va falloir, même s'il faut ouvrir une quête, on sait quand même que non, on s'occupe déjà d'elle. On a au moins une idée. Personne n'a une idée d'elle. Loulou, tu penses qu'elle peut arrêter des directs? Elle amoure même les gens. C'est pas que moi, je voudrais dire que si elle avait vraiment un problème même là. Elle n'avait pas fait les directs, mais je comprends que parfois elle pose ces actes-là, elle est inconsciente. Et puis, elle a l'impression que peut-être quand elle fait ça aussi, elle se sent importante parce qu'elle est toute seule. Donc, il faut aussi la comprendre comme ça. Peut-être qu'en faisant les directs, c'était parce qu'elle est seule, elle est délaissée, qu'elle aussi, elle se sent en famille. Bon, on pense ça comme ça. Mais sinon, qu'elle a un sérieux problème. Elle-même, elle est son propre danger. Elle ne peut pas aller faire les directs sur Instagram ou bien sur TikTok. L'endroit, c'est que si un jour, passant faire la vidéo, mais beaucoup d'amour, votre stress, c'est là. Toi-même, tu es rempli de stress. Mais beaucoup d'amour, votre stress, c'est là. Votre stress. Mais coucou, mais loulou. Quand elle regarde souvent les histoires là même. Autre chose, comment Facebook a déjà maillé sa tête? Est-ce qu'on quitte comme ça là? Elle connaît le pacte qu'elle a signé avec Facebook. Est-ce qu'on peut être amoureuse comme ça? Tu es amoureuse du virtuel, hein? C'est même pas que c'est une personne, tu es carrément amoureuse du virtuel. Il faut qu'on prenne son téléphone, on casse même disons. On quitte dessus. Ah, ça commence à m'énerver les gens. Fleur de Lille la repousse que est-ce que Fleur de Lille c'est la justice? C'est pour ça que je vous ai dit que sauf seulement si elle est consciente et elle veut nous cacher qui elle est. Parce que je ne sais pas pourquoi elle chante le nom de Fleur de Lille dans sa bouche. Fleur de Lille c'est la justice. Fleur de Lille c'est un psychiatre. Fleur de Lille c'est qui? Hein? Toi-même tu as été pour les enfants, tu ne fais même pas une proposition. Tu ne fais aucune proposition, tu ne fais qu'appeler le nom d'une personne parce que tu veux la visibilité. Dans tous les cas, c'est que elle a eu une chance. Hein, parce que c'est la dernière fois que moi je parle de son cas. Je ne souhaite pas que le malheur le plus lui arrive, mais je crois que c'est la dernière fois que moi, en tant qu'un humain et un frère, si j'appelle, si on parle de ça aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup fait. Hein. Jusqu'ici, j'ai beaucoup fait. Il y a des gens parfois qui viennent après le direct, ils viennent me demander, Aristide, on fait comment par rapport? Le cas de la fille, là, c'est comment? Oui. Mais je crois que j'ai beaucoup fait jusqu'ici là. Elle me paie pas pour ça. Elle me paie pas pour ça. Donc du coup, je ne veux pas que ça arrive comme ça là. Donc c'est comme ça.
Donc, c'est ce que je pense là maintenant. Donc, honnêtement, le petit est content qu'il est sorti à la télé. Petit, il tourne là, il fait comme si je ne le vois pas. Il tourne, il est content qu'il est sorti à la télé. Non, je préfère, Elisabeth, tu sais quoi, je préfère parler dans le désert. Mais néanmoins, j'ai joué mon rôle. Il y a des gens que pour les prouver que tu les aimes, il faut que tu parles et faire la bise dans la bouche. Dans tous les cas, c'est que c'est une preuve d'amour aussi. Faire un direct pour elle, là. Perdre mon temps pour faire un direct, c'est une preuve d'amour. Il y a des gens qui aiment bien que pour les prouver que tu les aimes, c'est qu'il faut aller les faire seulement bisous dans la bouche. Non. Je fais à mon niveau. Ce qui est sûr, c'est que le message pourra concerner certaines personnes. Ça pourra toucher le cœur de certaines personnes. On ne sait jamais. Et ça va, c'est à son avantage. C'est à son avantage. Donc, je crois que c'est la dernière fois que je vais faire ça en direct. Et je crois que les gens qui sont avec elle, les gens qui ont l'occasion de s'approcher vers elle, là, dis-lui la vérité. Essaye un peu de revoir. Je dis, ce n'est pas une blague. Même son téléphone, là. Si les gens sont avec elle, même son téléphone, on doit arracher. Le jour qu'on prend son téléphone, le matin là, vers 9h, le jour quand, vers 9h, si elle ne sort pas, on donne son téléphone même pendant 45 minutes. Après 45 minutes, on arrache encore. Si elle veut faire un direct, on a choix au téléphone. On a choix. Oui. Ou bien vous prenez son téléphone, vous enlevez l'application Facebook. Vous enlevez ça. C'est comme ça qu'on fait, hein. On doit faire ça. On prend le téléphone, on donne quelques minutes, on prend encore. Si elle veut lancer un direct sur Facebook, on a choisi le téléphone. On refuse. Que non. C'est quoi? Les gens ont des problèmes, même. Les gens ont des problèmes. Moi, je vais même faire un direct même sur toi-même comme ça, là. Et okay, y a des gens qui veulent qu'on fasse bien les directs sur eux. Qui ont des vrais problèmes, qui ont des propositions, qui ont des suggestions à faire, même. Une vieille maman comme toi, une vieille femme comme toi, tu te lèves un matin, tu viens m'embêter les gens sur Facebook. Quelle honte. Non, mais là, on dit souvent que le mal soit le mal, non? Hein, loulou? Pour soigner le mal, c'est que il faut qu'on retire le téléphone. Pour qu'elle s'habitue déjà, elle s'habitue déjà à vivre sans téléphone. Et puis après. Julia, Robert, tu dis que c'est Flo de Lille qui avait aidé beaucoup, soutenu Warriors. Ma mère, elle ne connaît pas. Julia, tu sais, hein, que ce soit des stars, que ce soit des stars, des musiciens, des artistes et tout ça, l'amour là, c'est pas facile, hein. Les fans là, l'amour des fans là, c'est autre chose, hein. Si c'est que tu vois que comme tu as les abonnés, ça veut dire que les gens t'aiment beaucoup, hein. Parfois, tu es face à un problème, on te dit que c'est toi qu'on appelait matin, midi, soir. Tu ne vois personne. Tu ne vois personne. La vie que vous voyez, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est que autant l'amour, même là, l'amour dans un couple est compliqué. Je crois que le seul vrai amour, c'est l'amour parental. Parce que même l'amour fraternel, même entre les frères, même parfois, il y a la guerre. Même entre les frères, il y a un peu de vrai amour. Donc, peut-être que je crois que l'amour qui peut être un peu plus sérieux, c'est l'amour parental. Donc, si déjà entre les frères, là, il y a le choc, il y a la guerre, ça veut dire que les fans, là, ils viennent seulement là pour venir. Bon, certains sont même là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils viennent te regarder. D'autres font des commentaires, ou peuvent faire un commentaire aujourd'hui, s'il est content. Tu te sers de ça parce que tu crois qu'on t'aime beaucoup. Or, demain, c'est comme ça. Non, l'amour, là, c'est pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, là, ce que je suis en train de faire, là. C'est une preuve d'amour pour elle. C'est qui est sûr. Ça va toucher. Je ne sais pas à quel niveau la vidéo va arriver. Je ne connais pas. Avec vos partages, ça va toucher une ou deux personnes qui sont peut-être proches de sa ville. Qui sont peut-être qui l'ont déjà aperçu. Ça peut l'aider. C'est comme ça. Donc, mes gens.
C'est ce que je t'ai dit à Fatima. C'est ce que je t'aurais dit que c'est comme si dans ça, là-même, elle-même, elle cache beaucoup de vérité. Quand j'ai commencé à parler au début, c'est ce que j'ai dit. Si déjà tu te retrouves dans un problème, ça veut dire que ce qui est sûr, c'est que tu as fait quelque chose pour te retrouver dans le problème là. On ne peut pas t'indexer dans un problème, c'est que tu n'as rien fait. Ça veut dire que la cause, le fait qu'on a retiré les enfants, ça peut ne pas être par rapport à Facebook. Peut-être qu'il y a un vrai problème qui est caché, qu'on ignore. Donc c'est elle qui doit dire tout ça. C'est elle qui doit se confier aux gens. Et qu'elle se retire de Facebook. Elle n'est pas obligée de venir parler ça sur Facebook. Qu'elle se retire de Facebook. Qu'elle se confie aux gens. C'est pas en venant parler sur Facebook que ça va arranger les choses. Qu'elle se retire sur Facebook. Qu'elle cherche à se confier. On ne cache pas la maladie. Moi, là, il y a des gens ici là qui ont commenté. Mais il peut arriver parfois que j'écris à une personne subitement que oui, j'ai besoin de me confier à toi. Je l'ai fait une ou deux fois. Moi-même qui parle là. Je suis allé dans les épaules des gens ici là pour me confier à eux. On ne cache pas la maladie, même le problème, on ne cache pas. Chacun a des problèmes. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis. Oui, mais sa façon de parler, elle n'était pas comme ça, Elisabeth. Cette fille, je crois même qu'elle a fait la musique, je crois même qu'elle chante. Hein. J'ai essayé de voir certaines de ses musiques, ses chansons sur YouTube. Je crois même qu'elle chante. Elle n'était pas comme ça avant. Elle n'était pas comme ça. C'est que le problème est en train de prendre l'ampleur. Et au fur et à mesure que les problèmes s'accumulent, elle aussi, elle ne fait qu'entrer dans la dépression. La dépression, c'est quelque chose de très dangereux. Hein. Peut-être vous croyez là que c'est le sida. La dépression, c'est quelque chose de très, très dangereux. Je parle de quelque chose de dangereux dans tout le sens du mot danger. La dépression, là, dans tout le sens du mot danger, c'est très dangereux. Faut pas vous amuser avec ça. Donc, toi, tu dis seulement l'herbe, elle est l'école. C'est comme ses parents. Je te dis que c'est comme ses parents au départ. L'herbe, même là, c'est petit. C'est comme ses parents au départ même. Parce que l'herbe, là, même, c'est comme si. Je te dis, c'est sérieux. Ah, d'abord que tout est possible, en plus en Europe. C'est comme ses parents au départ. Tu sais, parfois, quelqu'un peut parler au départ. Il ne fume pas la cigarette, il ne boit pas la bière. Mais il consomme ça en vrai même. Donc, mes gens, je voulais encore faire un autre direct aujourd'hui, mais je vais voir. Je voulais encore faire un autre direct aujourd'hui, mais je vais voir. Donc, mes gens, partager le direct, ça peut aider les gens, ça peut toucher certaines personnes à lui venir en aide. À la venir en aide plutôt. Tant pour moi. Donc, partager. Partager pour essayer un peu de toucher les gens, les âmes de bonne volonté. Partager le divin au maximum, ça va l'aider. Elle. Ça va l'aider. Et je crois que c'est la dernière fois que moi je parle de son nom. Donc partager le divin au maximum. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc on est ensemble, mes gens. Mon nom, c'est Aristide Mebe. Man Betty. I love you. Mon nom, c'est Aristide Mebe. Man Betty. I love you. Bisous dans vos bouches. Bon week-end à tout le monde qui est là. Bon week-end à Elisabeth Fouda, Patricia Smith, l'étoile filante, qui est encore là. Fatima, l'amour Bolingo, Cadeluna, Hélène Nicole, big up à tout le monde. Hein? Big up là-bas. Agnès Eba, bon week-end à toi. Partagez le direct, abonnez-vous. Noël Ange, big up à toi, bon week-end à vous. Hein? Envoyez les cœurs. Partager. Ce sont mes cœurs. Donc, comme je vous ai pourtant dit, je vous ai dit,
Vous aussi. Oui, je suis votre gars pour vous dire bisous. Donc, à Elisabeth Fouda. Donc, pour l'aider à elle, pour l'aider, c'est pas pour moi. Si vous, pour l'aider à elle, essayez un peu de partager le direct à elle. On ne sait jamais à quel niveau la vidéo va arriver. C'est pour ça que je vous demande de partager, c'est pas par rapport à moi. Donc, on est ensemble, hein. On est ensemble. Il y a beaucoup de dossiers qui sont là. C'est juste le temps et la position. Sinon, que les dossiers sont là, même beaucoup même. Donc, on vote. Moi, je dis bisous dans vos bouches. Vous avez installé un débat sur les bisous ici. Hey! Waouh! En tout cas, si ça fait un bon débat pour vous, tant mieux. On est ensemble.